Aujourd'hui, on a un nouveau jour et on est avec Émilie. Alors, il est vachement tard. On devait faire plein de trucs aujourd'hui, on n'a rien fait. Parce que j'ai passé ma journée à faire la guerre à Farid. C'était très bien. On a passé la nuit à se bagarrer jusqu'à 6h du mat et on a réveillé Émilie. On va à Port-Saint-Louis-du-Rhum dans un truc qui s'appelle le Salin de Giraud. C'est un truc... Ah, ils prennent la carte bleue. Oh, moi, ça va. C'est un truc trop beau. On t'avait déjà amené, Farid et moi, voir les flamants roses. Mais là, on va essayer d'aller voir le coucher de soleil et d'aller voir si les flamants roses... Ils vivent en hiver. On sait pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on va faire une traversée de bateau avec la voiture. C'est cool ça. Ça va être rigolo. Voilà. Je t'amène au bateau. Donc là, on attend pour pouvoir accéder au péage qui est là-bas. Et c'est 5 euros. C'est très cher. Je trouve. Regarde. Là-bas, il y a l'eau. Ici, on est sur le bateau. Et dans 3 minutes, je vais sortir de la voiture pour te montrer comme c'est beau. Un premier arrêt, on va aller dans un endroit interdit. C'est hyper ici. Donc en fait, on est bien, on est au Salem de je sais pas quoi et on est bien en Camargue. Farid il se moquait de moi, il me disait que c'était pas la Camargue, mais oui, c'est la Camarnec. Oh, regarde comme c'est beau, mais t'es déjà venu ici cet été, Farid et moi. Tu te souviens, on faisait des. On sautait dans l'eau et on faisait un peu le bordel parce que c'était là. Oh, j'adore, c'est beau, je sais pas. Il n'y a pas de flamant rose. C'est quand même trop beau. Tu sais, ça donne l'impression qu'on vient dans un endroit qui n'a jamais été vu par l'homme. Tu vois qu'on est les premiers hommes à être là. Comme c'est beau. Ah moi mais c'est parce que c'est le soleil qui se couche en fait. Si on serait venu un peu plus tôt, ça aurait été beaucoup plus en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Putain, tu te rends compte les gens qui habitent ici pour ça tous les jours. C'est leur normalité ça. Ouais, pour eux c'est normal en fait, c'est pour eux. C'est vrai quand on y pense. Regarde. Il est pas rose. Regarde, on a trouvé le seul flamant rose de l'histoire, quoi. Le mec, il est tout seul, il a pas d'amis. Parfait en fait. Tu trouves pas, Émilie, que le monde il est
À la maison, je vais faire une soupe. Donc là, je vais cuisiner au vitaliseur. Tu sais, le vitaliseur de Marion dont je te parle tout le temps, j'aime trop. Je vais chauffer mes légumes à la vapeur, ici. Donc je vais refermer, je vais te montrer. Et ensuite, je les transformerai en soupe. Et je pense que je vais rajouter une patate, ça va être bon. J'ai rajouté du lait et de l'eau. Je vais mettre du curry et je mixe. Ta-dam ! Ça, c'est la vie. C'est bon! Hein, Farid? La vie est magnifique! Vive le potiron!